Le titre générique de c'est en deux tomes, ça s'appelle Le Marquis d'Orgèvres. C'est chez Anne Carrière et le gars il s'appelle Philippe Cavalier. Alors ça les enfants, c'est Alexandre Dumas, c'est Rouletabille, c'est Dickens, c'est Wilkie Collins, c'est Gérard Philippe, c'est tout ça, ça va à 100 à l'heure, vous êtes sous Louis XV. C'est un jeune hobereau assez intelligent qui est au fin fond de sa campagne et puis son père disparu, il était assassiné. Alors il y a tout, hein, les secrets, les duels, de l'amour, vous avez des traîtres, des femmes sublimes, des combats épiques à l'épée, vous avez des poursuites, des enlèvements, vous allez vous retrouver en Écosse, presque l'Écosse de Stevenson, avec les Landes, encore des combats, des chefs de clan, vous avez le pillage de Rome, les Celtes, un secret, un trésor, vous avez les francs-maçons, les gentils, les méchants, enfin vous ressortez là-dedans, vous êtes essoufflé comme si vous aviez lu Fanfan la Tulipe, ou l'Arche perdue, enfin c'est extraordinaire, le gars il est super doué pour vous raconter des histoires, allez-y, vous allez voir. Je vous dis pas remboursé si je suis pas satisfait parce que j'ai pas beaucoup de, je suis qu'un libraire, mais franchement là, cette chose, c'est une petite merveille de détente pour tout le monde.